tu coronavirus. Comme on le dit en anglais, corona you be you. Yeah, yeah, coronavirus. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est la corona déviance. Monsieur le Président, on vous dit merci pour les décisions prises pour sauver le pays. Mais entre nous, Président, est-ce que c'est pas un peu... You don't have... Quelles sont ces légèretés au niveau de l'INDS? Quelles sont ces légèretés au niveau de la réponse? C'est fermé ou c'est pas fermé? Yo, dis-nous la vérité. Yeah, yeah, corona déviance. Ah, corona déviance. Yeah, yeah. Vous êtes encore président et il y a des gens à côté qui se permettent de prendre des décisions personnelles. Monsieur le président, mais quelles sont ces légèretés? Ivoirien, Ivoirienne, il y a problème au pays. La grande famille au Tessis, yeah, Côte d'Ivoire. Depuis le premier cas de COVID-19 annoncé en Côte d'Ivoire, les prix des denrées alimentaires et autres produits de nécessité sont montés de façon vertigineuse. Même j'ai 500 là, c'est devenu 5000. Monsieur le Président, de parler ou bien d'aller laver mes mains d'abord. Commissaire Bouba, on vous dit merci. Merci. On vous dit merci. Pour ces personnalités importantes de la Côte d'Ivoire, j'avais bien voulu refuser de vous mettre en quarantaine. Grâce à vous, le pays avance. Chaque jour que Dieu fait, il y a beaucoup de... C'est grâce à Corona que nous on a compris que les corps à pied, déjà ils ont la force. Maintenant ils passent, ils font du corps à corps. Merci de prendre des risques pour enfoncer le pays. Quand l'affaire de Corona là va finir, on vous confie pour les microbes là. Parce qu'on pense que vous pouvez le faire maintenant. Yeah, yeah, coronavirus. Yeah, yeah. Dis-moi, mais qui es-tu, coronavirus? Comme on le dit en anglais, corona you be you. DJ Master. Yeah, yeah, coronavirus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde, Amiral Blindé. Bonsoir, Zoumana Koulibaly, Patento, Lassina, Noël, Maïga, Claire, Sylvain, Jules, Moïse. Love, Tessia, voilà. Bon, voilà, je vais vous faire écouter une vidéo parce que quand on vous parle de coronavirus en Côte d'Ivoire, je vais vous dire, après mes calculs aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi le gouvernement prend du temps à protéger les personnels de santé. Pour qu'il puisse soigner les Ivoiriens. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Yamoussoukro, quand Alassane Ouattara est parti à Yamoussoukro. Le jour où il allait dire que Amadou Bon est le candidat du RHDP. Vous savez, tout le monde le sait. C'est élection présidentielle d'abord. Et après élection présidentielle, vient élection législative. Hein? Afra, là, t'as un faux parti, tu as raison. Téléphone, tiens, téléphone. Tu veux quoi? Hein? Mais il est là le téléphone. Hein? Tu as biberon en main. Tu as tétine dans la bouche. Tu dis téléphone. Voilà téléphone. Quoi? Gâteau? Hein? Fatim? Il veut quoi? Agniaba, bon. Tiens ça là. Tout le monde sait que il y a élection
présidentielle d'abord, et après sur 8, hein. Mais il est là le téléphone. Bon, non, t'as d'où t'avais. Ngo, pardon. C'est quel enfant ça la mère. Excusez-moi. Il savait au moins. Ça dit lui, il veut grand, là. Il veut pas petit là. Fatim. Pardon, pardon. Samy. Il y a ici le coton. Mais attends d'abord, Samy. Oh, viens ça. Regarde, je suis occupé là, pardon. Et tu fermes ma porte. Allez, ferme la porte. Imbécile, là. Samy. Il a foutu. Non, là, tout. Ah, vous savez, Nakim Salut, vous savez, il y a élection présidentielle d'abord. Après, vient pour les députés. Mais Ouattara, dans son discours, oh putain, dans le pays, là, il n'y a pas de problème. Au moment où il a annoncé ça, là. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'y avait pas de problème dans le pays. Salut, c'est vous. Il n'y avait pas de problème dans le pays. Il n'y avait même pas Corona. Ouattara a dit aux députés, si on n'a pas pu organiser législatif à temps, et votre mandat est automatiquement prolongé. Ça veut dire qu'on pourra organiser élection présidentielle, mais pas pour l'Assemblée. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? On commence d'abord. Non, petit là, il est trop chiant, quoi. Son nom là même, là, il a l'enlevé dessus même. Quand lui il a problème là, tout doit s'arrêter. Quand il a problème dans la maison là, tout doit s'arrêter. Parce que quand il pleure là, il a une manière de pleurer là, ça me tue, quoi. Mais, papa. Donc il me saoule. Donc quand il y a ça là, comme il sait ça, il vient s'arrêter. Il voit ses soeurs au dehors. Moi, il me voit là. Et puis il me dit, papa. Non, il est trop compétit là. Vous voyez, donc on devrait d'abord organiser, on organise d'abord les élections présidentielles et ensuite législatives. Mais c'est bizarre, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bizarre, Ouattara dit, c'est-à-dire, tu as annoncé, tu dis que tu ne te présentes pas toi. Et tu as présenté ton ami, on dit oui. Et après, tu dis, il faut que ton président il soit élu d'abord. Mais pourquoi il a sauté? C'est ça, moi, je vais vous faire comprendre. Il y a fait de Corona dedans. Hein. Pourquoi il a sauté et il allait parler de législatif? Normalement, il devrait dire, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Mais si jamais on n'arrive pas à organiser les élections présidentielles, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Mais Ouattara a sauté ça. Il allait tomber sur élections législatives. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que le monsieur... Tout ce qu'il dit, il y a toujours quelque chose derrière. On va l'écouter ici. Et puis après, je vais vous dire pourquoi les Chinois sont rentrés.
et ils ont bloqué les Ivoiriens et ils ont été mis en quarantaine. Et les Chinois, aujourd'hui même, qui sont en train de maltraiter nos frères en Chine là, eux, ils sont rentrés. Pendant qu'on est au moins, on est en train de crier, on dit à Corona qui tue, Corona tue, Corona tue, Corona tue là. Eux, ils sont rentrés jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui là, on ne sait pas où ils sont partis. Salut Zainab, comment tu vas? Salut à tout le monde, parce que moi, j'ai la facilité de répondre aux femmes que les hommes. Sa Majesté, ça va? C'est ça. Salut Mohamed Touré, salut. Je ne sais pas bien prononcer, mais tu as compris ce que j'ai dit. C'est ça, c'est l'essentiel, c'est le message qui compte. Voilà, si je n'arrive pas à bien prononcer, ce n'est pas un souci. Le plus important, c'est de me faire comprendre. C'est de vous expliquer de telle sorte que vous comprenez. Voilà, sinon c'est toi qui es sur ma page ici. Moi, je ne te connais pas. Mais dans ton village, là, moi, je suis connu là-bas. Voilà, c'est ça la différence entre nous. Bon, on va écouter. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires aujourd'hui qui a écrit le nom de Dramana. Il a écrit Watos. Non, les gens là, les gars, ils sont plus prêts pour Dramana que Watos. quand j'ai vu ça dans le commentaire, là, il était mort de rire. Bon, on va écouter. Que je voudrais proposer de pérenniser par la modification de l'article 55. C'est-à-dire, tellement il y a floco dedans, jusqu'à il gratte sa voix, sa gorge d'abord. Parce qu'il est habitué à floco les gens. Parce que c'est pas facile. Quand quelqu'un ment là, il fait toujours des gestes. Quand quelqu'un n'est pas sincère, en parlant là, il fait toujours des gestes. Que je voudrais proposer de pérenniser par la modification de l'article 55. Et cette modification induit celle des articles 56, 57, 59, sa voix même dit non, 62, pas dit ça. 78 et 79. La deuxième réforme importante concerne le pouvoir législatif, c'est-à-dire vous, le pouvoir législatif, messieurs les députés et les sénateurs. Mon vieux père, avec la modification de l'article 90, elle est relative à la continuité parlementaire. Voilà. Ainsi, en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires dans les... En cas d'impossibilité d'organiser les élections parlementaires. Mais il peut y avoir problème où? Depuis quand en Côte d'Ivoire, on a déjà fait un coup d'État contre un député? Depuis quand en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde même, il y a eu un souci pour organiser les élections là? C'est-à-dire, moi, franchement, je ne comprends pas. Moi, là, je ne comprends pas ce qu'Alassane Ouattara a dit. Quel problème il va avoir? Vous avez dit c'est bouclé. C'est géré. Vous avez dit tout ça là. Mais pourquoi non? Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Voilà, il y a une poclée parmi vous là, on a bloqué. Je vais vous faire écouter. Mais moi, je veux savoir. Il y a quel problème? Ouattara, il a préparé quoi? Et puis, il nous dit. Salut, Memouna. Et puis, il nous dit. Si on n'a pas pu organiser les élections, le pouvoir législatif est prolongé jusqu'à ce qu'on organise les élections. Pourquoi il ne dit pas si on n'a pas pu organiser les présidentielles là, votre mandat est prolongé? Vous savez ce qu'il est en train de préparer? Il va tout faire. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Depuis l'arrivée de coronavirus là. Et je vais vous faire comprendre un truc. Ouattara a décaissé des milliards pour s'occuper des Ivoiriens. C'est ce qu'il nous dit. Il fait croire que ouais, il a décaissé des milliards pour nous protéger. Il y a deux semaines,
Les personnels de santé sont sortis, ils ont annoncé. Si eux, ils ne sont pas protégés, ils vont rentrer en grève. Ils ont donné 72 heures. 72 heures est passé. Et ils ont fait encore une réunion tout récemment là. Ils ont parlé du même problème là. Mais pourquoi Ouattara ne distribue pas les kits? Pourquoi Ouattara ne distribue pas les kits? Les gels là, pourquoi il les protège? Ça veut dire qu'il n'envoie pas chez les gens. Il ne partage pas. Et il partage qu'à ses militants. Les militants du RHDP là. C'est à ceux-là qu'il donne. C'est pourquoi j'ai dit Ouattara, ça veut dire il va profiter de coronavirus. Il ne va pas organiser les élections. Parce que pour aller faire enrôlement, on serait des milliers de personnes à aller faire la queue. Pourtant, on nous dit aujourd'hui 1 mètre de sécurité entre les personnes. 1 mètre de sécurité entre les personnes. Et depuis qu'on parle des élections là, de vous à moi là, qu'est-ce qui nous montre aujourd'hui que ouais, vraiment, on est bien parti pour organiser les élections en 2020. Personne n'a sa pièce, c'est-à-dire personne n'a ses pièces, rien, c'est-à-dire tout est là comme ça. C'est comme si l'élection là, si c'était dans, je ne sais pas, dans 2 ans ou bien dans 3 ans. Vous voyez comme c'est lent. Pourtant, lui-même là, ces militants là, ils sont en train de se faire enrouler. On les envoie les documents à la maison. Il y a 1 kilomètre, ouais. Et ils sont en train de remplir les trucs, on les envoie, il y a d'autres qui ont l'air récépissés. C'est-à-dire, même les morts, là, eux, ils sont recensés aujourd'hui dans le parti d'Alassane Ouattara. Les gens qui sont morts avant 2010, là, eux, là, ils ont leur nom sur la liste des militants RHDP, là. Et ils sont adhérents. Ils sont avec Alassane Ouattara, les morts. Et ce qui est grave dans tout ça là, quand Ouattara, parce qu'on dit dans notre constitution en Côte d'Ivoire, quand il y a un problème, quand il y a état d'urgence là, il n'y a pas d'élection. Et Ouattara va profiter de ça quand il va voir qu'il ne peut pas gagner. Ouattara va profiter de coronavirus là pour dire non, il n'y a pas élection. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner. Alors, il va avoir une transition. Dans la transition maintenant, Ouattara là, mandat des députés qu'il a prolongé là, après octobre net là, ces députés là seraient pour lui. Ils seront pour lui. Alors, ils vont voter une loi à l'Assemblée pour choisir Ouattara. Sinon, Bon Koulibaly n'est pas le candidat d'Alassane Ouattara. Bon Koulibaly, là, il n'est pas le candidat d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez déjà vu Alassane Ouattara dire quelque chose de bon et puis l'a respecté? Tout ce qu'il dit et il respecte, là, c'est de couler sang des gens. Tout ce que Ouattara dit, et puis il respecte là, c'est de couler sang des Ivoiriens. Il ne va pas avoir élection. Parce que Ouattara sait à 100% que même lui-même là, il est candidat, il ne gagne pas. Lui-même, il sait, lui-même là, c'est-à-dire les anciens Brabotiers là, il sait qu'il est candidat aujourd'hui là, c'est Poto qui est devant lui. Donc Ouattara va pas, ça dit, il va pas s'amuser à ça. Mais dans tous les cas, il y a occasion pour le faire partir. Il y a transition. Tu n'es plus le président élu. Tu as fini ton mandat. Et le pouvoir serait partagé. De la manière que tu as envoyé les Ivoiriens à Makoussi ici, là, on va t'envoyer à Makoussi aussi pour régler le problème. De la manière que tu as envoyé les Ivoiriens ici à Makoussi, là, on va t'envoyer ici à Makoussi aussi. Ton pouvoir là va être divisé. Bébé doit être là.
Et puis, ce n'est même pas ton pouvoir, même pas ton pouvoir est fini. Voilà pourquoi il a dit que le mandat, parce que moi, je ne comprends pas. Normalement, il devrait commencer par présidentiel là, avant d'aller parler de législatif. Donc, il y a, je vous laisse écouter encore. Je voudrais proposer de pérenniser par la modification de l'article 55. Et cette modification induit celle des articles 56, 57, 59, 62, 78 et 79. La deuxième réforme importante concerne le pouvoir législatif, voilà. C'est-à-dire vous, messieurs les députés et les sénateurs. Avec la modification de l'article 90, elle est relative à la continuité parlementaire. Ainsi, en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires dans les délais prescrits par la Constitution, actuellement c'est décembre 2020, il est proposé que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Voilà. Vous voyez, est-ce que vous comprenez son business? Le plan qu'il est en train de faire là. Est-ce que vous comprenez? Parce que actuellement là, ils disent qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, Ouattara veut garder ça. Il veut s'appuyer sur ça pour maquiller son business. Son business, c'est quoi? C'est-à-dire, il ne va jamais s'occuper des Ivoiriens. Il ne va jamais protéger les Ivoiriens. Regardez bien ce que je suis. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Hein, et puis regardez-moi bien. Jamais il va protéger les Ivoiriens contre coronavirus. Jamais Alassane Ouattara va protéger les Ivoiriens contre coronavirus. Parce que coronavirus est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Ouattara, pendant que les gens disent non, les Chinois, Ouattara a laissé rentrer les Chinois en Côte d'Ivoire. Et même jour là, il y a des Ivoiriens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils ont été mis en quarantaine. Salut là. Nina, salut. Ouattara, je vais revenir dessus encore parce qu'il y a d'autres là. Quand on explique, ils ne comprennent pas. Ouattara, avant l'arrivée de coronavirus en Côte d'Ivoire, là, il a fait ce discours-là à Yamoussoukro. On va commencer ensemble. Je dis bien avant l'arrivée de coronavirus en Côte d'Ivoire, Ouattara. Que je voudrais proposer avec la modification de l'article 90. Elle est relative à la continuité parlementaire. Ainsi, en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires dans les délais prescrits par la Constitution, actuellement c'est décembre 2020, il est proposé que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Voilà. Vous avez entendu? En cas, si on n'a pas pu organiser les élections législatives qui est après présidentielle, là, normalement il devrait parler de présidentielle, mais il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de législatives qui vient après. Si on a, parce que lui, il a besoin des députés. Écoutez bien, parce qu'il y a des bois parmi vous. Là. Ils sont là en train de dire, ouais, on ne comprend pas. C'est-à-dire les députés là, comme ils disent que ouais, ils ont la majorité à l'Assemblée là, Ouattara veut s'appuyer sur ceux-là. C'est ceux-là qui vont l'aider demain à faire son sale boulot en Côte d'Ivoire. Mais vous les députés là, on vous chasse. Parce que Ouattara même là,
ils ne respectent pas l'humilité parlementaire des députés. Ils les jettent en prison. Donc on va faire comme lui. Tous les députés qui vont jouer au con. À l'Assemblée, là, vous avez vu au Burkina, non? Ce qu'ils ont fait au Burkina, c'est l'Assemblée nationale, là, la population a attaqué d'abord. Et ensuite, on a chassé Blaise. Ils ont chassé Blaise. Et c'est la même chose là qu'on va faire à Draman. Parce que Draman, il est venu dire comme ça, je ne suis pas candidat. C'est bon Koulibaly. C'est bon Koulibaly. Mais derrière ça, là, il nous parle des députés. Mais nous, quand on s'assoit, on calcule, on regarde. Mais pourquoi il parle des députés? Pourquoi il parle des députés? Parce que les députés, là, c'est eux, là, ils ont la force. Dans les pays où la loi est respectée, les députés, Ouattara aujourd'hui, un coup d'étaïs, lui, aujourd'hui, là, il s'appuie sur les lois, il modifie les lois, il s'appuie sur ça pour caler les autres. C'est ça le boulot d'Alassane Ouattara. Comme il sait qu'il ne peut plus tuer, alors il est en train de manipuler maintenant la justice pour bloquer les autres. Donc, avant l'arrivée du coronavirus, voilà ce que Ouattara nous dit. Et avant l'arrivée des Chinois, il était dit qu'il n'y a plus de vol ou dans des pays où il n'y a plus de 100 cas. Ceux-là sont interdits de rentrer à Abidjan. Mais il y a 61 Chinois qui sont arrivés à Abidjan. Ils ont laissé rentrer les Chinois, là. Et ils ont été filmés. Les Chinois, là, ont été filmés. Pas plus de 20 secondes. C'est pour vous montrer. Ouattara, c'est un bandit, hein. C'est pour montrer à la population, ah, les Chinois sont venus avec le coronavirus. Donc après, là, il va utiliser ça. Nous, on va parler de ça. Parce qu'il sait que nous, on va parler de ça. Chaque jour que nous, on va faire vidéo, là, on va parler de ça. Ouattara a fait rentrer les Chinois. Et aujourd'hui, on a plus de je sais pas, 300 cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, là, pendant que ces homologues, là, eux, ils se promènent, ils sont sur le terrain, en train de rassurer la population, Ouattara, lui, va regarder Mario. Sur son écran plasma, il est assis, c'est bon Koulibaly, il regarde. Et il dit aux gens que nous travaillons. Vous travaillez où? Vous travaillez où? C'est quel travail vous êtes en train de faire? Vous travaillez où? À te fouiller, il est quel là? Dans l'élection de 2020, là, en octobre, là, moi en tout cas, je serais étonné de voir que Ouattara a organisé. Il ne va pas le faire. Il ne va pas organiser les élections. Il va s'appuyer sur le coronavirus là. Parce que lui, pour lui, dans ses calculs, lui, ça l'arrange. S'il n'y a pas élection, bon, Koulibaly, il ne peut pas devenir président. Alors lui, il va rester. Par transition, là, c'est lui qui va rester. Mais celle-là, là, on va te taper dessus. On sortit, on prend les rues. Celle-là, tu vas comprendre que ouais, on n'est pas con et puis on n'est pas bête. Donc, c'était pour vous dire ça ce soir. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Ouattara va s'appuyer sur le cas coronavirus et il ne va pas organiser les élections en 2020. Ouattara ne va pas organiser les élections en 2020. Voilà pourquoi les médecins grèvent aujourd'hui. Ils demandent des kits. Les cache-nez là. À un gel là, Ouattara n'a pas encore donné. Ce que l'OMS a donné là, il a envoyé ça dans son magasin à Bobo, à la mairie d'Abobo. Et c'est là-bas les gens vont chercher pour aller vendre aux Abobolais là. 1000 francs, 1000 francs. Donc Ouattara s'en fout des Ivoiriens. Le malheur des Ivoiriens égale au bonheur d'Alassane Ouattara. Je frapperai ce pouvoir. Vous vous souvenez de ça? Je frapperai ce pouvoir. Je rendrai ce pays ingouvernable. Gbagbo a été élu. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections avec toi. Vous avez compris tout ça, non? Il a mis un embargo sur médicaments. Donc aujourd'hui, si Ouattara il refuse d'organiser les élections parce qu'il a fait rentrer le coronavirus au pays, et
Si on veut là, on n'a qu'à tous mourir. Bétu et Fra, Ouattara, ce n'est pas son problème. On n'a qu'à tous mourir parce qu'il a plusieurs fois essayé à finir avec les Ivoiriens. Ouattara a plusieurs fois essayé à finir avec les Ivoiriens. Mais comme Dieu aime la Côte d'Ivoire, on est resté en Tortola. Il y a les survivants. Nous, on est là. Donc, le fait que, c'est-à-dire, je voulais vous faire comprendre deux choses. En cas, s'il n'y a pas, on n'a pas pu organiser élection législative, le mandat des députés sont prolongés. Ça a été avant l'arrivée de Corona en Côte d'Ivoire. Ensuite, Ouattara a autorisé Corona à rentrer en Côte d'Ivoire, les Chinois. Et il a pris des gens qui sont quittés en Italie, en France, des Ivoiriens. Il a pris ces Ivoiriens-là, il allait les entasser quelque part. Ils ont dit mesure de sécurité, 1 mètre. Il allait les entasser quelque part. Et le lendemain, comme il sait que virus là, tout le monde a pris là-bas, il est venu, il a envoyé ses gars, aller leur dire qu'ils peuvent rentrer à la maison. J'ai reçu mon coup. Après ça, on a entendu un peu partout. Ah, tel est quitté en Italie. Lui, il était au truc là-bas, avec les gens. Lui, il a ça, nanani, nanana, gauche, droite. Jusqu'à les Chinois, là. On ne sait pas. Mais on a su où étaient les Ivoiriens. Mais les Chinois sont rentrés. Les créateurs même de coronavirus. Ah, moi, j'ai dit ça, lui. Donc Ouattara a fait exprès de faire rentrer coronavirus en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut être con, il faut être mouton pour dire non, Ouattara n'a rien à voir dedans. On te demande cache-nez. On te demande de protéger les Ivoiriens. Ces chapiteaux, tu vas construire dans la cour des gens, dans la cour commune des gens. C'est-à-dire pour faire yaya. Pourquoi on dit, ah non, le président est en train de faire ça. Parce que tu devrais commencer là. Tu n'as pas fait. Oh. Les gels qui ont été donnés comme don là, tu as envoyé ça à Rue Lépic. Tu as allé tout déposer là-bas. Vous avez pris le temps, écrit RHDP dessus, distribué aux gens, vos militants. Donc 2020, voilà le plan de Ouattara. Il ne va pas avoir élection. Parce que ça est dans la constitution. Il sait que s'il organise, même dans 100 ans, tu organises l'élection là, on te tape dedans. Tu peux retarder. Nous, on veut là. Aujourd'hui là, nous, on est en train de combattre là. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour les Ivoiriens. Nos enfants qui vont venir après là. Mais tôt ou tard là, que nous, on soit là ou pas là, toi, Ouattara là, tu vas tomber. Et puis ton parti là, RHDP là, les criminels là, vous allez quitter le pays là. Et les Ivoiriens vont avoir la Côte d'Ivoire. À ce moment, nous, on serait contents. Parce qu'on va dire que ouais, on a fait un boulot formidable. Les gens, ils comprennent maintenant. Nous, notre combat là, les Ivoiriens ont compris maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent les moutons quand ils viennent sur ta page ou bien quand tu publies la photo de Gbagbo? Ah, tu penses que ceux-là, ils sont bêtes, ils ne vont jamais se mettre avec vous. Il y a eu un temps de guerre. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un temps du pardon. On doit se pardonner et on doit se faire pardonner. Ouattara va tomber un jour. Vous pouvez voir, il n'y a pas dit, non? Il y a eu 3 présidents ou bien 2 présidents après, vous pouvez voir. Ouattara est 4e ou bien 5e. Si ceux-là sont partis, là, le départ de Ouattara, là, il va fuir. Ouattara a le temps de venir promulguer les lois. Il quitte Assini, il rentre à Abidjan. Pendant que les Ivoiriens sont privés de c'est-à-dire de leur va-et-vient. Lui, comme il est le bon Dieu, là, il se déplace, il vient. Il signe. Juste pour pouvoir faire signer Guillaume et juger Guillaume Soro. Ouattara, tu partiras, Inch'Allah. Ouattara, il vient à Voilà, j'étais assis là.
c'est tombé dans ma tête, j'ai calculé. J'ai dit, pour ne pas oublier, je vais venir faire une petite vidéo pour expliquer aux Ivoiriens. Donc, c'est à vous de partager. Moi, le plan de Draman, je vous ai déjà montré. C'est à vous maintenant de partager la vidéo et pour informer les gens. Parce que depuis qu'elle a commencé à faire vidéo, tout ce que j'ai dit là, ça se réalise. Inch'Allah, Adigra. Inch'Allah. Ouattara va partir. Abenata, est-ce qu'il est roi? Même les rois, même là, souvent quand c'est chaud là, il pend. Mais le départ de Ouattara est dans le pardon. Il faut que nous, on se pardonne. Aujourd'hui, il y a des gars que je voyais à l'ambassade en 2017-2018 qui partaient prendre de l'argent là-bas. Mais le jour viendra où je vais dire les noms. C'est ceux-là, la majorité de ceux-là qui crient aujourd'hui là. Soro est criminel. On ne veut pas aller à la réconciliation. Pourtant, ils vont prendre enveloppe kaki. Nerenyabama. Enveloppe kaki. Petit comme ça là. Non, ouais, comme ça là, enveloppe comme ça là. Je sais pas, il y avait combien dedans. Hein. Il y a des gens là, leur loyer là, c'est payé depuis l'ambassade. Les quoi qui sautent là. La plupart de ceux là. C'est pourquoi je vous dis de partager. C'est ceux là qui ne veulent pas la paix. Lui préfère avoir 2000 par mois ou 1000 euros par mois que la paix en Côte d'Ivoire. Que le retour des exilés en Côte d'Ivoire. Que le retour même de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Parce que quand Gbagbo était là, lui, il ne gagnait pas. Il s'est fait un petit nom. Donc, il profite de ça. Il mange. Il va aller à Sini. Donc, Ouattara a fait rentrer le coronavirus parce qu'il avait annoncé avant qu'il n'allait pas avoir élection. Parce qu'il cherchait pas, il veut faire coup d'état. Comme il n'a pas gagné moyen là, il voulait attraper Guillaume Soro, Kobla Kasso là. Comme Guillaume Soro, il a loupé Guillaume Soro. Maintenant, il faut faire quoi? On dit il y a malheur quelque part là-bas. Lui-même, il allait acheter ça, il est venu déposer dans Côte d'Ivoire là. Et puis, il est assis, tranquille. Il partira Draman. Avec Natara. Il faut qu'on se mette ensemble. La plupart. Inch'Allah. Bré-irie. Inch'Allah, on se met ensemble. La plupart de ceux-là, Simon salut. La plupart de ceux-là, ceux qui sautent, go, là. On se connaît. Hein? C'est nous, les premiers vidéomans, là. De politique, là. C'est Johnny qui a commencé à faire vidéo. Et puis, moi, je le répondais. Moi, j'ai fait partie des premiers vidéomans, là. Salut, Chakoul, Kone, Roméo, salut, Ibrahim, salut, Chali, salut. Donc, il n'y a pas vidéoman que moi, je ne connais pas. C'est pas pour ne rien, je vous dis que je suis homme d'État, Karamourdi, dans des réceptions des ministres. Oui, je suis assis là, calé, à l'ambassade. À l'heure comme ça, 21h, où les gens sont partis à la maison, on est assis. Les ministres, ils sont là, et puis je suis assis, cramrodé. On est assis, calé. Sapé comme un petit prince. Et puis je suis là. À ça, yoï. Je voyais des gens là-bas. Les gars mangent ensemble, je vous dis. Un jour, j'ai passé au moment, j'étais dernier cri même dans la salle Ouattara, la dernière salle. Le race même des Draman même là. Non, tu pouvais pas. J'ai passé devant en Bervillier. Ce jour-là, j'avais pas ma voiture. Je sais pas si ma voiture avait problème ou bien. En tout cas, j'avais pas ma voiture. J'étais à pied. Je marchais pour aller prendre le bus. Il y a un restaurant, je connais pas le nom. Il y a un restaurant. Il y a un restaurant, Jean et Maki, des Ivoiriens. Vers 14h comme ça. Et je passais. Comme je sais que c'est un coin ivoirien, j'ai regardé dedans, mais j'ai vu des Ivoiriens, bon, des messieurs, ils sont assis. Eux, ils m'ont vu. Mais ils.
Comme ils étaient assis là, j'ai regardé vite fait et puis je suis passé. Et je vois un grand frère qui sort, qui m'appelle. Amiral, je tourne comme ça, je viens. Il dit, ah, vieux père, c'est quoi? Un vieux père RHDP, hein, de l'ambassade, un dernier cri. Il dit, viens. Je rentre, hein. Voilà, bilay, quoi, hein. Juste quand je partais là, j'ai appelé le grand frère. Il dit, mais pourquoi vous faites ça là? C'est-à-dire, vous faites croire aux gens que ça ne va pas. Mais vous mangez ensemble. Il dit, non, mon petit, il faut laisser, il faut laisser. Wale Bilé, c'est-à-dire les partisans d'Alassane Ouattara, et puis les derniers cris, les encore derniers cris même de Bago Laurent. Ils sont assis, il y a alcool sur la table, ils sont en train de boire, manger à Tiki. Mais ce jour-là, quand je marchais, j'ai dit, mais... Donc c'est comme ça, politique. Et je vais profiter en même temps pour vous dire aussi. Moi là, c'est parce que Johnny Pacheco, il est imbécile. Que je ne veux même plus échanger avec lui. Jamais je l'ai appelé. Les fois qu'il m'a appelé là, qu'il y a eu conversation entre nous là, je ne l'ai jamais appelé. C'est lui-même, il m'a appelé. Après ça là, moi et puis les autres vidéomans là, Don Giovanni ou quoi, Don Giovanni, il peut dire ses trucs à la con, tu vois. Mais quand j'ai besoin de lui, quand j'ai besoin de le parler là, je l'appelle, on cause, on parle. Dessin animé, on n'en parle même pas. Olmoto, on n'en parle pas. Avant Philippe Bago, j'ai parlé avec lui, vite fait. Voilà. Sinon, tout le reste là, nous tous, on se cause, hein. Donc, quand vous venez sur la page des gens comme ça là, ah, toi, tu es mouton, ouais, c'est l'autre qui est bon, tout ça là. On se parle entre nous. C'est pour vous faire comprendre que, de la manière vous voyez la politique là, c'est pas comme ça. Ceux qui ont le couteau en main comme ça, devant la foule là, c'est ceux-là qui s'asseyent derrière, ils mangent ensemble. Zepekenyo là, le gros bras là, lui qui est ici là, on s'attaque. On s'insulte. Mais quand on se prend, quand on se prend nous deux comme ça là, on se donne des idées. Il peut me dire, ah Joe, la fois passée tu m'as attaché, hein. Il dit qu'il faut laisser ça là, c'est imbécile là. Lui aussi il me dit, ah Joe, j'étais pas loupé. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Politique c'est comme ça. Donc c'est pour vous dire quoi? Ce que je suis en train de vous dire là, quelle maison des gores, j'ai dit des gores, hein. C'est un gore, voilà, il faut bien parler le français. C'est un gore, était à l'époque assuré par l'ambassade. Je ne sais pas c'est quel boulot les gars faisaient. C'est pourquoi il y a des gores là, ils ne peuvent pas s'approcher de nous. Et ils sont contre. Même les Aïle Kouchen, le vilain garçon là, qui fait vidéo et puis il met un drapeau au fond là. Ce gars là. Laissez tomber. C'est ça la politique. Mais c'est pour vous faire comprendre que Ouattara ne va pas organiser les élections. Parce qu'il a dit avant l'arrivée de Corona, si on n'a pas pu organiser les élections législatives, bah voilà. Pourquoi il ne dit pas présidentiel? Salut Amel. Amon Djaki, merci. Moussa Moïse. Pourquoi il ne dit pas si on n'a pas pu en cas d'empêchement n'a rien présenté? Non. Parce qu'il sait que s'il dit ça là, on va tout de suite comprendre. Ah, Ouattara, il ne veut pas organiser les élections. Ouattara. Donc il laisse ça. Il va dire le petit qui est derrière là. Là, on va dire, ah oui, ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est son plan. Yamima, comment tu vas, hein, Bobo? Moi-même, mon bébé. Il sait que tu es fâché. C'est pas grave, après on va s'appeler. Je suis malade, non, je suis pas trop en forme. Avec le coronavirus là, faut pas trop appeler, c'est pas bon. On dit un mètre de gars, donc pas trop t'approcher déjà. J'espère que tu vas bien. Salut, Kajibé, Alex, salut. Vous voyez, Ouattara, comme il savait que, Ange Yannick, comme il savait que,
Jules Bamba. Comme il savait que s'il disait que je ne vais pas organiser les élections, on va dire, ah, lui là, c'est le gars. C'est-à-dire, c'est quand il dit quelque chose là, voilà, Ouattara te dit bonjour là, il faut bien regarder le temps. Il y a quelque chose derrière. Hassan Ouattara te dit bonjour. Comment tu peux sauter présidentiel et aller tomber sur législatif? Attendez, on va écouter encore. Modification de l'article 90. Elle est relative à la continuité parlementaire. Ainsi, en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires dans les délais prescrits par la Constitution, actuellement c'est décembre 2020, il est proposé que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Salut Maria. Donc vous voyez, Ouattara, il ne parle pas de... Salut Claire Adjoa. Ouattara ne parle pas de... Pourtant, on sait dans le monde, c'est présidentiel d'abord et ensuite législatif. C'est-à-dire, lui, il sait que présidentiel, là, il ne va pas avoir problème. Mais dans législatif, là, il va avoir problème. Mon message ici, là, mon discours, là, Pokora, jusqu'à un moment, salut. Mon message ici, là, c'est pour les intelligents. C'est-à-dire, Ouattara a sauté présidentiel. Il parle en cas d'incapacité d'organiser les élections législatives. Le mandat des députés est prolongé automatiquement. Est-ce que vous ne trouvez pas ça louche? En bon français, on dit il y a Angus Roche. Ou bien en anglais, tu peux dire une guiche, une roche. Ceux qui comprennent bien l'anglais. Celui qui a problème de traduction, qui l'appelle saoulé. Zoré, comment tu vas, Nina? Ah non, moi, quand ça vient là, moi, il tape dessus, ami shérif. C'est anglais, on parle. Alassane Ouattara dit que après élection présidentielle, là, législatif, là, si on n'a pas, si on n'a pas, moi, j'ai un imbécile, là, tu te moques de moi, va te moquer des petits, il faut apprendre l'anglais, hein. Voilà, celui aujourd'hui est devenu poste, UBU, même il fait sac de riz maintenant, il met UBU dessus, Bamba Youssouf, tu vois, salut Innocent. Ça veut dire que ce coronavirus maintenant, Ouattara va prendre comme son comme de la manière il avait pris les Guillaume Soro là, pour combattre les Ivoiriens là. C'est coronavirus maintenant en rébellion que Ouattara veut prendre maintenant pour attaquer les Ivoiriens. Salut Mouna, Félix. Salut Omo, Ahmed. Salut Kikou. Et Kidou, pardon. Koulibaly. Donc c'est Ouattara maintenant, il va prendre coronavirus pour attaquer les Ivoiriens. Et il a déjà commencé. Vous voulez que je parle anglais encore? On prie pour la Côte d'Ivoire. Le malheur de la Côte d'Ivoire vient d'Alassane Ouattara. Le malheur de la Côte d'Ivoire là. Yobou, salut. Doumia Alasko. Salut. C'est Delphine ou bien Stéphane? Delphine, salut. Petit là, il est imbécile. Amodjaki, je t'ai dit, il faut m'envoyer ton numéro, non? Et puis j'ai un compte là. Quand tu es en direct là, je peux pas écrire, je peux que liker. Donc je disais que. En français, on dit il y a anguille sur roche. Vous avez compris? Il y a anguille sur roche. Bah, si ils disent qu'on ne peut pas organiser les élections législatives, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. En anglais, pour ceux qui ne comprennent pas le français, et comment on dit ça même en anglais là? Une guiche, une roche. Une guiche, une roche.
C'est-à-dire, il y a un gus sur roche. En anglais, veut dire une gusse, une roche. C'est-à-dire, il y a un gus sur roche. Salut, maman. Bonsoir. Ton fils est en train de parler anglais aujourd'hui. Là. Il est traumatisé. Donc, Ouattara a dit à Yamoussoukro que si on n'est pas capable d'organiser les élections législatives, après les élections, après élections présidentielles, le mandat des députés sont automatiquement prolongés. Parce qu'il sait aujourd'hui qu'il a acheté les députés, les moutons, les députés moutons de Côte d'Ivoire là sont avec lui. Ça fait un. Donc, il savait qu'il y avait Corona. Il a pris Guillaume Soro. De la manière, il a utilisé les Guillaume Soro, les Ouattara, père à son âme, les Kessia Kessia. Et pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Là. Et puis, il a mis un bargo sur médicaments en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas ça. Donc, il va prendre coronavirus aujourd'hui pour dire aux Ivoiriens que nous sommes en état d'urgence. Donc, on ne peut pas organiser les élections. Mais Ouattara, tu vas tomber. Moi, là, je vais tout faire. Si les gars veulent, il ne faut pas qu'ils vont me croire, ils n'ont qu'à me voir. Mais je sais que quelqu'un qui est conscient, je n'ai pas dit intelligent, qui est conscient. Parce que quand quelqu'un parle avec le cœur, un homme conscient, une personne qui, ça dit, qui est consciente, quand il voit, il sait. Moi, je parle avec mon cœur. Je ne suis pas un marmailleur, je ne suis pas. Tout ce que je fais là, et puis, ce n'est pas comédie, c'est ma nature. Quand je me mets là, je danse là. Peut-être qu'il y a des moutons qui disent, ouais, lui là, il est bête. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Je sais ce qui peut plaire aux Ivoiriens. Et je sais ce que les Ivoiriens ont besoin. Homme d'État, c'est ce qui me fait homme d'État. Parce que je sais que mon peuple a besoin de la joie, de la tranquillité. Le malheur de Ouattara a commencé depuis au moment où Feu Boigny était couché sur le lit en train de mourir. Le malheur des Ivoiriens a commencé. Ouattara a sorti son épée de découpage, salut Ibra, Véro, salut, de découpage des Ivoiriens. Je vais vous faire écouter une vidéo ici, où lui-même, il dit clairement, il envoie ses gars, quand on dit c'est indivisé là, vous pensez que nous on est maudits? J'avais pas envie de durer dans ça là, mais je suis obligé, non? Qui m'avait envoyé la vidéo même? Moi, j'ai un VP là. Je ne sais pas s'il est mort, mais depuis là, je l'écris, il ne me répond pas. Affaire de Corona là, ça fait peur. Hein? Mon VP, il ne me répond plus. J'espère qu'il n'est pas, il n'a pas d'ouf. I don't know d'ouf. Yeah. Ah non, en tout cas, en anglais seulement, quand je dis I don't know là, non, ça, je le dis avec accent. Là, il n'y a pas d'anguille sur roche dans ça. Et yes, yes, yes. Si tu n'as pas accent dans yes, I don't know. I don't know, je ne sais pas, I don't know, ça a dit, bon, no, il y a no dedans, ça a dit, non, I don't know, ça a dit, bon, I don't know, bon. Vous voyez, I don't know, quand vous êtes beaucoup, on dit, I don't know, mais quand il y a seul, on dit, no. Donc, quand vous êtes nombreux comme ça, là, on dit en français plus réel, tu dis, I don't know, voilà. Donc, on va écouter la vidéo où Ouattara a envoyé ces brigands-là au nord, aller demander aux parents de Guillaume Soro, de ne pas recevoir Guillaume Soro. Tu nous parles de traces de Feu Boigny. Toi, tu as connu Feu Boigny. Toi, la Ouattara, là, tu as été président pendant 2 ans au moment où Feu vivait. Qu'est-ce que tu as apporté aux Ivoiriens? Tu nous as pourri la vie. Je ne peux pas t'aimer. Oh. Et puis, tu sais que si moi, je ne t'aime pas, là, tu as problème. Petit Madou de Dieu, c'est moi. Moi, là, si je ne t'aime pas, là, tu as problème. Voilà pourquoi vous nous proposez tout, là. En nous, quoi. On vous a dit que nous, on est malades. Vous venez tuer les Ivoiriens. Et puis nous-mêmes, vous nous cherchez aujourd'hui pour comme on dit en anglais même. Là, vous voulez nous tuer. Hein? Attendez, on va écouter ça là. À la création du RDR, et puis, ils vont insister de Dieu pour ça. Vous avez soutenu ce mouvement. Mon vous l'avez accompagné de vos prières, de vos bénédictions et de vos sacrifices. Grâce à cet engagement, le pays est résolument engagé sur la voie du progrès.
Merci pour tout ce que vous avez fait. Le candidat. Et que vous continuez de faire. Ah, Madou Ganga. Jamais le président et Alassane Amadou Gon ne vous oublieront. Le président. C'est vous les parents Alassane. Qui les avez soutenus de la création du RDR jusqu'à la cession au pouvoir. Mais vous savez aussi. Écoutez, je vais prolonger. Le président Okolboni. Tous ceux qui sont passés à la tête du pays n'ont fait que diviser les Ivoiriens. Voilà. Afin de diviser les Ivoiriens. On a besoin de rassembler tous les fils et les filles de toutes les régions de notre pays. C'est pourquoi Alassane a créé le RHDP pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est une autre mission que nous venons vous confier. C'est Landry, non? Landry. Ouais, Landry. Il vous demande de vous lever. Landry, pour parcourir tout le pays, s'il nous faut, toutes les villes, les villages, les campements, les hameaux, pour